1964 du maître japonais Tamura, reconnu de tous comme un grand expert, crée problème. Ils sont 8000 à l'avoir suivi, mais 23000 autres ont choisi une voie différente, sans compter quelques milliers qui se cherchent encore. L'aïkido s'est donc dispersé. Si l'aïkido apporte tant de sérénité et s'il calme si bien les esprits, souhaitons que le pouvoir ne tourne pas la tête des disciples du grand maître Yushiba. Pardon.